Mwen bezan diya ki apre aksyon legal ki Betamax fin pran e l'injonksyon de la kou de Karnataka ki ti emet le 30 novembre nou fin efektiveman retrouve nou dan situasyon komplike konsernan nou aprovisionman an karburant surtout an set peryode de fin d'anè. L'action de Betamax ti de très mauvaise foi et ti inattendu. Depuis ce jour-là, finena plusieurs spéculations l'ONU approvisionnement de produits pétroliers. Surtout une spéculation qui évoque possibilité de rupture de stock et possibilité de pénurie. Faut bien dire que depuis vendredi, quand nous finissons être informés de sa lourde intérimée là, nous finissons mettre machinerie en marche pour trouver solution pour que le pays pas paralysé et pas souffert par sa action de mauvaise foi de Betamax. Je veux dire que mon pays ami qui nous finissons contacter finissons tout de suite prêt pour aider nous. En même temps, heureusement que camarade Chaukati de Soudan est en Arabie Saoudite à ce moment-là. Et là aussi, je veux dire qu'il y a une grande aide pour que la démarche aboutit avec le Saudi Arabian Oil Company, c'est-à-dire Aramco, et les tankers peuvent commencer à rentrer dans le pays incessamment. Un premier tanker peut rentrer ce week-end-là. Deux tankers en route et je peux arriver la semaine prochaine et un quatrième peut venir mi-décembre. Évidemment, ben bateau là pour rentrer avant qu'il nous réserve à terminer. Mon réitère, mon l'assurance et redonne la garantie à toute la population, à tout ban opérateur économique qui nous aient suffisamment stock. Et nous prenons une continuité dans nous l'approvisionnement. Et moi capable de dire qu'il nous fait surmonter l'obstacle qui Betamax met en place à Karnataka. Moi pas pour à ce stade donner un détail de mon pays que nous avons tankers mais sorti. Pour une raison qui me croit tout le monde qui fait suivre façon qui Betamax peut agir, je préfère pas donner mon renseignement quand nous avons un tanker peut sortir. Mais je crois que c'est la quantité totale qui peut venir dans ces 4 tankers qui m'ont mentionné là, il est amplement suffisant jusqu'à janvier de l'année prochaine.